Mais quelle est la rapidité de Ndaye pour arriver à, sur la balle le premier? Bon, et Kylian Mbappé a aussi une rapidité qui est telle. Donc on ne sait pas très bien qui est le plus rapide des deux. Mais ce qui est vrai, c'est que Ndaye au Congo reste le plus grand et le joueur le plus rapide. C'est quelqu'un qui nous honore au niveau de la FIFA, au niveau de l'AT, au niveau du Congo. Nous sommes très fiers de lui. Là, il était né avec le football dans les stades. Il avait un esprit de créativité sur lui. Il a facilité, il est passé pour libérer le ballon. Il joue dans l'espace. Et c'est un homme-là qui était très courageux, même quand le Marquois, il nous dit toujours, fais l'effort, je suis là, je vais tout faire. C'est un homme qui était même à tout faire sur le terrain. Alors, Makoutima, Yvette, vous avez constaté avec moi que quelques personnalités ici présentes, chacune d'elles, a parlé de Ndaye Mutumbula, Mulamba. Chacune a parlé comment est-ce qu'il faudrait immortaliser cette icône africaine qui a marqué jusque-là. Il n'a pas de concurrent, il a marqué 9 buts, c'était en Égypte en 1974. Ndaye Mulamba mérite vraiment des hommages. Depuis Palais du Peuple, Élisée Kambala, Mouké Maluma pour la RDNC.